Salut à tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Alors aujourd'hui, je vais suivre la suggestion de Juan Sanchez et je vais lire des citations positives en français. Et je vais les lire chuchotées, c'est-à-dire en whispering, si on parle en termes ASMR. Alors, j'ai la liste ici, donc je vais les lire. Je vais dire la citation. La personne qui a dit cette citation et qui était, si par exemple c'était un écrivain plutôt qu'un philosophe en état, alors c'est parti. On a deux vies. La deuxième commence quand on réalise qu'on n'en vit qu'une. Confucius, un philosophe chinois. Accepte ce qui est, laisse aller ce qui était, et confiance en ce qui sera. Bouddha, personnage spirituel. Avec trop, on se perd. Avec moins, on se trouve. Zhou Wang Zhe, philosophe chinois. Quand on ne peut revenir en arrière, on ne doit se préoccuper que de la meilleure façon d'aller de l'avant. Paulo Coelho, écrivain brésilien. Sourire mobilise 15 muscles, mais faire la gueule en sollicite 40. Reposez-vous, souriez. Christophe André, écrivain, psychiatre et psychothérapeute français. Il n'y a pas de honte à préférer le bonheur. Albert Camus, écrivain français. Les gagnants trouvent des moyens, les perdants des excuses. Franklin Roosevelt, 32e président des États-Unis. Il n'existe rien de constant si ce n'est le changement. Bouddha, personnage spirituel. Quand la vie te donne une centaine de raisons de pleurer, mon trouli, que tu en as mille de sourire. Johnny Depp, acteur américain. Quand on ose, on se trompe souvent. Quand on n'ose pas, on se trompe toujours. Romain Rolland, écrivain français. Il n'y a qu'une façon d'échouer. C'est d'abandonner avant d'avoir réussi. Georges Clemenceau, homme d'État français. La vie, ce n'est pas d'attendre que les orages passent, c'est d'apprendre à danser sous la pluie. Sénèque, philosophe grec. C'est donner du mal pour les petites choses, c'est parvenir au grand avec le temps. Samuel Beckett, écrivain, poète et dramaturge irlandais. Au milieu de toute difficulté, se trouve cachée une opportunité. Albert Einstein, physicien théoricien allemand. L'obstination est le chemin de la réussite. Charlie Chaplin, acteur, réalisateur et producteur britannique. C'est dur d'échouer, mais c'est pire de n'avoir jamais essayé à réussir. Theodore Roosevelt, 26e président des États-Unis. Ce qui abandonne ne gagne jamais, ce qui gagne n'abandonne jamais. Napoleon Hill, auteur américain. Le plus grand plaisir de la vie est de réaliser ce que les autres vous pensent incapable de réaliser. Walter Bagehot, journaliste britannique. Le succès dans la vie arrive non pas en jouant des bonnes cartes, mais plutôt en étant capable de jouer les mauvaises cartes de la bonne manière. Joshua Dole, architecte et photographe canadien. La ville, c'est 10% de ce que vous en faites et 90% votre façon de l'apprendre. Irving Berlin, compositeur et parolier américain. Ce n'est pas le vent qui décide de votre destination, c'est l'orientation que vous donnez à votre voile. Le vent est pareil pour tout. Jim Rohn, écrivain, entrepreneur et coach en développement personnel américain.
Si on veut obtenir quelque chose que l'on n'a jamais eu, il faut tenter quelque chose que l'on n'a jamais fait. Périclès, orateur et homme d'État athénien. J'ai appris que le courage n'est pas l'absence de peur, mais la capacité de la vaincre. Nelson Mandela, président de la République de l'Afrique du Sud. La seule façon de faire du bon travail est d'aimer ce que vous faites. Si vous n'avez pas encore trouvé, continuez à chercher. Steve Jobs, entrepreneur américain et fondateur de Apple. Un homme ayant du succès est celui pouvant se construire une ferme fondation avec les briques que les autres lui jettent. David Brinkley, journaliste américain. Votre situation actuelle ne reflète pas votre potentiel ultime. Anthony Robbins, écrivain américain, motivateur et coach de vie. Importe dans ta mémoire pour le reste de ton existence les choses positives qui ont surgi au milieu des difficultés. Elles seront une preuve de tes capacités et te redonneront confiance devant tous les obstacles. Paul Coelho, écrivain brésilien. Le meilleur chemin est toujours celui qui est le plus direct. Robert Frost, poète américain. Le courage est comme un muscle. On le renforce en les travaillant. Ruth Gordo, actrice et scénariste américaine. Prenez vos victoires. Qu'elles soient, chérissez-les, utilisez-les, mais ne vous reposez pas dessus. Miamama, footballeuse internationale américaine. Le standard que vous dépassez est le standard que vous acceptez. David Hurley, gouverneur général d'Australie. Si vous ne pouvez pas encore faire de grandes choses, faites des petites choses de façon remarquable. Napoléon Hill, acteur américain. Ce n'est pas la volonté de réussir qui compte. Tout le monde a ça. C'est la volonté de se préparer à réussir qui compte. Paul Bryant, entraîneur de football américain. N'abandonnez jamais un rêve sur la base du temps qu'il faudra le réaliser. Le temps passera de toute façon. Nightingale, conférencier et auteur de radio américaine. L'homme ordinaire ne se préoccupe pas de passer le temps, l'homme de talent, que de l'employer. Arthur Schopenhauer, philosophe allemand. Ce que nous sommes est le résultat de ce que nous avons pensé. Bouddha, personnage spirituel. L'essence de la vie est la plus pressante des questions. Albert Camus, écrivain français. Le but de la vie est le développement personnel, parvenir à une parfaite réalisation de sa nature. C'est pour cela que nous sommes tous ici. Oscar Wilde, écrivain, romancier, dramaturge et poète irlandais. Plutôt que de penser à ce que tu n'as pas, pense à ce que tu peux faire avec ce que tu as. Ernest Hemingway, écrivain, journaliste et correspondant de guerre américaine. Avoir un but trace la vie. Lao Tseu, philosophe chinois. Le bonheur, c'est de continuer à désirer ce que l'on possède. Saint Augustin, philosophe et théologien chrétien romain. Croyez en vous-même, en l'humanité, au succès de vos entreprises. Ne craignez rien ni personne. Baron Staff, écrivain français. Il faut se concentrer sur ce qu'il nous reste et non sur ce qu'on a perdu. Jan Arthus Bertrand, photographe, reporter, réalisateur et écologiste français. La perfection n'est pas atteinte.
Lombardi, entraîneur de football américain. Appréciez de jouer et apprenez de l'échec, car on n'apprend rien de ses succès. James Dyson, écrivain scientifique anglais, inventeur et designer industriel de la marque Dyson. Il est toujours trop tôt pour abandonner. Norman Vincent Peale, pasteur chrétien et auteur américain. Plus grand est l'obstacle, plus grande est la joie de le surmonter. Molière, dramaturge français. Chaque pas doit être un but. Jacques Chirac, président français. Ne t'arrête pas quand tu es fatigué. Arrête-toi quand tu es fini. Marilyn Monroe, actrice américaine. Ne sous-estime jamais tes capacités. Jamais. Quentin Boulet, fan inconditionnel du développement personnel et entrepreneur. C'est par le travail que l'homme se transforme. Louis Aragon, poète et romancier français. Plus vous aidez les gens à obtenir ce qu'ils désirent et plus vous avez du succès. Hillary Clinton, Zig Ziglar, auteur et homme d'affaires américain. Le monde a progressé uniquement grâce aux choses impossibles qui ont été réalisées. André Mauroy, romancier et essayiste français. L'échec est l'épice qui donne sa valeur à la réussite. Truman Capote, écrivain américain. Alors, j'espère que vous avez aimé ces citations. Il y en avait vraiment pour moi des très très jolies. Je vais vous mettre le link où je l'ai trouvé comme ça. Vous pouvez les lire et en prendre s'il y en avait des particuliers que vous avez aimé particulièrement. Merci beaucoup pour avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous l'avez aimé. Et si vous avez aimé cette vidéo, merci de mettre un like et de vous abonner à ma chaîne si vous ne l'avez pas encore fait. Vous pouvez contribuer à ma chaîne sur Ko-Fi où vous pouvez m'offrir un café virtuel. Ou vous pouvez faire comme Antoine et devenir un Patreon. Je vais vous mettre tous les liens dans la description. Vous n'inquiétez pas. Si vous avez des autres suggestions, des autres vidéos que vous aimeriez que je passe, j'espère que ma grammaire, ça fonctionne encore. Merci de le me dire dans les commentaires et si